Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire où j'habiterai. Faites le tabernacle, tous ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Tout devait se faire, tout devait se faire, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Lisons ensemble dans les Saintes Écritures. Together, let's read from the Holy Scriptures. Dans le livre de l'Exode. In the book of Exodus. Au chapitre 25. Chapter 25. Quelqu'un nous lise du verset 1 au verset 9. Someone read for us from verse 1 to verse 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Cette parole nous révèle une chose. This passage reveals one thing to us. C'est Dieu qui donne le travail. It is God who gives work. Qui donne le travail spirituel. It is God who gives spiritual work. Quand vous entendez les gens dire je suis serviteur de Dieu ou je suis servante de Dieu, when you hear people say I'm a servant of God, c'est Dieu qui donne le travail. It is God who gives work. On ne crée pas le travail au nom de Dieu et on commence à le faire. We don't create work in the name of God and then we start doing it. On ne crée pas une église au nom de Dieu et on commence à la diriger. We don't create a church in the name of God and then we start leading it. Dieu donne une vision claire de son œuvre. God gives a clear vision of his work. Et le but ultime de son œuvre, and the ultimate goal of his work, c'est qu'il vive avec nous, au milieu de nous. Is that he lives in our midst. Si tu bâtis quelque chose, if you build something, une œuvre dans laquelle Dieu ne peut pas vivre, in a work in which God cannot live, ça c'est pour toi, c'est pour toi. It is for you. Ce n'est pas pour Dieu. It's not for God. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. He says, they will make for me a sanctuary and I will live amongst them. Dieu doit être là. God must be there. S'il n'est pas là, if he's not there, ce n'est pas pour lui. It's not for him. Et pour que ce soit pour lui, and for it to be for him, il faut qu'il te montre le modèle. He needs to show you the model. Qu'il t'enseigne. He needs to teach you. Comment tu dois commencer et comment tu dois terminer. How you must start and how you must finish. Et pour les nouvelles âmes qui sont là. And for the new souls who are there, who are here. Parfois vous êtes choqués. Sometimes you are shocked. Quand on vous demande de vous repentir. When they ask you to repent. Surtout ceux qui sont déjà dans des églises. Above all those who are already in churches. Certains sont choqués quand on leur demande de se repentir et d'être baptisés. Some are shocked when they tell them to repent and be baptized. Et ils disent, moi j'étais déjà baptisé. They say, no, I was already baptized. Quand j'étais bébé. When I was a child. D'autres disent, je suis déjà baptisé. Some say, I was already baptized. Dans telle ou telle dénomination. In this or that denomination. Cependant. Meanwhile. Ils n'ont pas abandonné le péché. They have not abandoned sin. Donc Dieu n'est pas au milieu. Dieu n'est pas là. So God is not in their midst. God is not there. Selon le modèle de Dieu, according to God's model, un homme doit se repentir. A man must repent. Quand il a cru,
when he believes. C'est-à-dire si tu crois que Dieu existe. It means if you believe that God exists. Et si tu crois qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. And if you believe that he sent his son Jesus Christ. Si tu crois que Jésus est mort pour toi à la croix. And if you believe that Jesus died on the cross for you. Tu dois l'accepter dans ta vie. You must accept him in your life. Comme ton Seigneur. As your Lord. Et ton Sauveur. And as your Savior. Il ne faut pas dire que ne dis pas je sais qu'il est mort. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Don't say I know. Accept him as your Lord and your Savior. Seigneur parce qu'il vient pour régner. Lord, because he comes to reign. Il disait, prenez mon joug sur vous. He used to say, take my yoke upon you. Il y a des gens qui ne savent pas que la foi veut qu'on se donne à Jésus. Comme serviteur, comme esclave. There are people who don't know that faith means giving yourself to Jesus as a servant. Ils ne savent pas que Jésus doit mettre son joug sur eux. They don't know that Jesus has to put his yoke on them. Il disait, recevez mes instructions. He used to say, receive my instructions. Ils ne savent pas que on croit pour obéir au Seigneur Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. They don't know that you believe to obey Jesus because he is the Lord of Lords. Il doit régner. Il doit régner. He must reign. Il doit diriger ta vie. He must lead your life. Celui-là qu'on appelle serviteur de l'Éternel. The one that they call the servant of the Lord. Doit régner sur toi. Il doit régner dans ta vie. The one that they call the Lord must reign upon your life. Il y a des gens qui l'aiment en tant que serviteur. There are some who love him as a servant. Il l'envoie au champ, il l'envoie dans la chambre, il l'envoie à l'aide lieu de service. Il lui demande à manger, il lui demande l'argent. Il lui demande de les porter sur le dos. Le lemier. They send him to their farm, they send him to their workplace. And they send him, they tell him to come carry them on their back. Quelqu'un a chanté, oh Jésus est merveilleux. Il met le sucre dans mon thé et il garnit mon pain de beurre. Oh Jésus est merveilleux. Somebody sang, oh Jesus is wonderful. He puts sugar in my tea and he puts butter in my bread. Prenez mon joug sur vous. Take my yoke upon you. Recevez mes instructions. Receive my instructions. Jésus doit être reçu comme Seigneur et Sauveur. Jesus must be received as Lord and Savior. Dès lors. Until then. Tu dois obéir à la première instruction. From then you have to obey the first instruction. Tu dois te repentir de tes péchés. You must repent from your sins. Parce que Jésus est jaloux de la gloire de son Père. Because Jesus is jealous of the glory of his Father. Jésus est venu pour ramener les hommes à leur Créateur. Jesus came to bring men back to their Creator. Il est le premier, il est le grand frère de tous les hommes. He is the firstborn of all men. Il les a adoptés par sa mort à la croix, par son sang. He adopted them by his death on the cross, by his blood. Pour lui, for him, tous doivent rentrer à la maison. All must come into the house. Demander pardon au Père éternel. To ask for forgiveness from the Heavenly Father. C'est pour cette raison qu'on parle de la foi authentique en Jésus et la repentance envers Dieu. That's why we talk about genuine faith in Jesus and repentance towards God. La preuve que quelqu'un a reçu Jésus. The proof that someone has received Jesus. C'est que cette personne fait la vraie repentance. Is that this person goes through true repentance. Maintenant. Now. Quand tu n'as pas fait ça. When you have not done this, et qu'on t'a baptisé, and you have been baptized, je te dis la vérité. I tell you the truth. Si tu crains Dieu, if you fear God, tu recevras dans ton âme le témoignage que je dis la vérité. You will receive in your heart the testimony that I'm telling you the truth. Quand tu n'as pas reçu Jésus, when you have not received Jesus, comme Seigneur et Sauveur, as Lord and Savior, et que tu ne t'es pas repenti envers Dieu, and you have not repented towards God, qu'on te baptise, that when you are baptized, on t'a trompé. You have been deceived. Et puis tu as accepté la tromperie. And you have accepted deception. Si nous te rencontrons, if we meet you, si la grâce de Dieu nous permet de vous convertir, if the grace of God permits us to convert you, nous allons te baptiser. We are going to baptize you. Et ça ne sera pas un deuxième baptême. And it's not going to be a second baptism. Dans les annales de Dieu, c'est ton premier baptême et le seul vrai. In God's annals, it is the only baptism and it's the only true baptism. Les autres peuvent te tremper dans l'eau même 100 fois, c'est zéro, zéro même. The others can soak you in water even 100 times, it's zero.
Mais quand tu t'es repenti d'une manière authentique, but when you repent in a genuine way, et que tu te fais baptiser, and you get baptized, c'est ça qui est enregistré au ciel. That is what is registered in heaven. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il y a un seul baptême. That is why the Bible says there is only one baptism. Ça veut dire que il y a, et ce baptême-là a des conditions à remplir avant de le recevoir. And this baptism has conditions to be fulfilled before receiving it. Il y a déjà des faux docteurs, plein de faux docteurs dans notre génération. There are many false teachers in our generation. Ils te diront, la Bible dit qu'il y a un seul baptême. They'll tell you the Bible says there's only one baptism. C'est vrai. It's true. Mais la Bible dit, but the Bible says, celui qui croira, the one who believes, qui sera baptisé, who is baptized, sera sauvé, will be saved. Quand quelqu'un n'a pas cru, when someone has not believed, tu l'as baptisé, and you baptize him, il n'est pas sauvé. He's not saved. Il faut que Dieu ait pitié de cette personne. God needs to have mercy on that person. En envoyant ses vrais enfants, by sending him his true children, lui parler, to talk to him. Et si cette personne croit, and if that person believes, elle va recevoir le seul vrai baptême. He will receive the only true que baptism, tous les hommes doivent recevoir. Which all men must receive. Donc, si tu es là pour la première fois, so if you are here for the first time, écoute très bien. Listen very attentively. Ta vie est entre tes mains. Your life is in your hands. Si tu veux te séduire, if you want ça dépend to deceive, de toi. If you want to deceive yourself, it depends on you. Parce que la Bible dit, because the Bible says, au dernier jour, that on the last day, les gens vont choisir leur pasteur selon leur propre désir. That in the last days people will choose their pastors according to their own desires. Ils vont regarder et ils vont choisir les pasteurs qui disent ce qu'ils veulent qu'ils disent. They would look around and they would choose pastors who say what they want those pastors to say. La Bible dit ils se choisiront une foule de docteurs. He says they will choose. The Bible says they will choose for themselves a crowd of teachers. Ils vont rejeter ceux qui leur disent la vérité. They will reject those who tell them the truth. Mais il y a un modèle. But there is a model. Dieu a dit à Moïse, God told Moses, regarde le modèle que je te montre sur la montagne. Look at the model that I've shown you on the mountain. Et fais mon œuvre. Construis-moi le tabernacle selon ce que tu as vu. And construct the tabernacle according to what you have seen. Ne bricole pas. Do not do it waywardly. On prêche l'évangile. We preach the gospel. Selon le modèle qu'on a vu Jésus prêcher. According to the model that we saw Jesus preach. On ne crée rien. We don't create anything. Jésus disait, Jesus used to say, si le péché, if sin, s'il y a quelque chose sur la terre, if there is something on the earth, qui t'empêche d'entrer au ciel, which is stopping you from going to heaven, il faut sacrifier cette chose. You should sacrifice that thing. Si c'est ta main, if it is your hand, coupe-la. Cut it away. Si c'est ton œil, if it's your eye, arrache. Cut it out. C'est-à-dire, it means, selon l'évangile authentique de Jésus, according to the genuine gospel of Jesus, un homme, une femme ne devrait pas tolérer les choses qui bloquent leur communion avec Dieu. A man or a woman must not tolerate what blocks his relationship with si God. Si c'est une relation de concubinage, if it's a relationship of concubinage, tu vis avec une femme que tu n'as jamais dotée, if you are living with a woman that you have never paid the bride price, ou un homme t'exploite chez lui, or a man is exploiting il you, t'as himself, jamais doté, jamais. He has never paid the bride price. Si tu veux aller au ciel, if you want to go to heaven, si tu veux être sauvé, if you want to be saved, coupe la relation, cut that relationship, va servir Jésus, go and serve Jesus, coupe la relation, cut that relationship, coupe cette main là. Cut that hand. Tu seras libre. You'll be free. Libre. Free. Pour aller servir Jésus. To go and serve Jesus. Pour aller servir Jésus. To go and serve Jesus. Si c'est une relation, if it's a relationship, de corruption, of corruption, tu marches avec quelqu'un, you walk with somebody, qui ment, il vole, who lies and steals, corrompt partout, and corrupts everywhere. Arrête. Stop it. Et cherche une autre personne. And look for another person. La Bible dit, the Bible says, les mauvaises compagnies corrompt les bonnes mœurs. That bad company corrupts good manners. Les mauvaises compagnies corrompt les bonnes mœurs. Bad company corrupts good si manners. Tu es bien, if you are good, et tu marches avec ceux qui sont mauvais, and you walk with those who are bad, tu seras corrompu. You will be corrupt. Même si tu étais sérieux, even if you were serious, tu vas commencer à devenir comme eux. You will start becoming like them. Celui qui s'assoit avec les morts, the one who sits with dead people, devient aussi mort, comme dit les proverbes. Will become dead also.
Il y a un modèle. There is a model qui doit inspirer ceux qui veulent servir Dieu. Which must inspire those who want to serve God. Il y a un modèle. There is a model qui doit inspirer ceux qui veulent suivre Jésus. Which must inspire those who want to follow Jesus. Quand Jésus marchait, when Jesus was walking, il y a des gens qui voulaient le suivre. There are people who wanted to follow him. Il leur a dit, he told them, si vous voulez me suivre, if you want to follow me, il faut renoncer à tout. Renounce everything. Pour devenir mes disciples. To become my disciples. Jésus ne veut pas les simples prosélytes, les simples adhérents. Jesus does not want a proselyte, those who just come. Jésus veut des convertis authentiques. God wants people who are genuinely converted. Des disciples. Disciples. Qui décident de le suivre. Who decide to follow him. C'est ça le modèle. That is the model. Que personne ne te trompe. Nobody should deceive you. Il y a des gens qui disent c'est l'œuvre de Dieu. Chacun interprète la Bible comme il pense. People say it's the work of God. Everyone interprets the Bible as he thinks. Même la Bible. Even the Bible. On ne l'interprète pas comme on pense. We don't interpret it the way we think. L'apôtre Pierre disait. The apostle Peter said. Aucune écriture ne doit faire l'objet d'une interprétation particulière. No scripture must be interpreted in any way. Ne fais pas des suppositions sur la parole de Dieu. Do not make a suppose. Do not suppose on the word of God. Comprends ce que Jésus veut enseigner. Understand Jesus wants to teach. Jésus disait. Jesus said. Prenez garde à ce que vous entendez. Be careful about what you listen. Il voulait dire ouvrez bien les oreilles. He was telling them open your ears very well. Alléluia. Hallelujah. Il dit il y a un modèle. He said there is a model. Il y a une manière d'enseigner. There is a way of teaching qui qualifie les hommes. Which qualifies men. Il y a une manière de prêcher. There is a way of preaching qui qualifie les hommes. Which qualifies men. Il y a des paroles. There are words que Dieu attend. That God is awaiting. Si ces paroles-là ne sortent pas de la bouche d'un prédicateur. If those words do not come out from the mouth of a preacher. Tout ce qu'il fait c'est la comédie. Everything that he does is comedy. Il y a une histoire dans la Bible. There is a story in the Bible. Dans Actes chapitre 10. In Acts chapter 10. Un homme appelé Corneille. A man called Cornelius, qui jeûnait beaucoup, who fasted much, il priait, he prayed, il faisait beaucoup de monde, and he gave many gifts, et il craignait Dieu, and he feared God, mais il n'était pas sauvé, but he was not saved, et il ne savait pas qu'il n'était pas sauvé, and he did not know that he was not un saved. Un jour, one day, Dieu a envoyé un ange, God sent an angel, pour lui parler, to talk to him. Il lui dit Corneille, he said Cornelius, j'ai exaucé tes prières, I've answered your prayers, tu as trouvé grâce à mes yeux, you have found favor in my eyes, mais pour ton salut. But for your salvation, envoie quelqu'un. Send someone. T'appeler un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre. To call for you someone who is called Apostle Peter. C'est lui qui pourra te dire. And he will tell you les choses par lesquelles tu seras sauvé. Things that you need to do to be saved. Ce n'est pas tout le monde qui a la parole qui donne la vie. It's not everyone who has the word that gives life. Ce dimanche dans cette ville. This Sunday, this very Sunday in this town. Chacun prêche. Everybody's preaching. Mais, but, demande au Seigneur, ask the Lord, qui a parlé de ta part, who has spoken on your behalf, tu seras surpris, and you'll be surprised. Lisons cela dans Actes. Let's read this passage in Acts. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 12 à 14. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Amen. Vous voyez, ça doit vous étonner. You see, you should be surprised. Qu'un homme... That a man, à qui Dieu dit j'étais exaucé, to whom God says I have answered you, n'est pas encore sauvé. Is not yet saved. Et beaucoup sont dans cette condition. And many people are in this condition. On prend leurs dîmes, on prend leurs offrandes, ils ne sont pas sauvés. Ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas sauvés. They take their tithes and offerings and they are not saved. And they don't even know that they are not Chaque saved. Chaque jour, recevez, ils tombent, ils se lèvent, ils n'est pas sauvés. Every day receive, they fall and they get up and they are not saved. Dieu dit. God says. Envoie quelqu'un. Send someone to chercher un vrai disciple. To look for you a true disciple. Cherche un vrai disciple de Jésus. To look for a true disciple of Jesus Christ. Qui t'explique ces choses-là. Who will explain to you these things. Tant que tu n'as pas rencontré un vrai disciple, as long as you have not met a true disciple, tu seras comme Corneille.
You will not be Cornelius. You will be like Cornelius. Il dit, cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, send to Joppa for Simon, who is called Peter. He will bring you a message through which you and your household will be saved. Il y a des paroles, there are words qui déchirent le voile, which tear the veil. Il y a des paroles, there are words qui introduisent le pécheur dans la vérité, which introduce the sinner into the truth. Ça peut te choquer. It can shock you. Parce que ça demande une obéissance authentique et une perte. Il y a des choses que tu dois perdre. Because it needs genuine obedience and there are things that you lose. Ça crée la désillusion. It causes disillusionment. Ça te fait comprendre que tu as déjà passé beaucoup d'années dans l'errance inutilement. It makes you understand that you have spent many years in error uselessly. Ça te donne envie même de haïr certains hommes de Dieu. It even gives you the desire to hate some people. Tu ne dois pas les haïr. You don't need to hate them. Ils n'ont pas ce que Dieu veut que tu reçoives. They don't have what God wants you to receive. Mais si tu rencontres quelqu'un qui a ça, but if you meet someone who has it, ouvre ton cœur. Open your heart. Tu seras béni. You'll be blessed. Ouvre ton cœur. Open your heart. Tu seras béni. You'll be blessed. Parce qu'il y a un danger. Because there is danger. Jésus a dit. Jesus said, les gens n'aiment pas le changement. People don't like change. Il dit quand quelqu'un a bu le vieux vin, he says when somebody has drank old wine, il ne veut pas le nouveau. He doesn't like the new. Il dit le vieux est bon. He says the old wine is good. C'est bon comme ça, c'est bon comme ça. It's good. Si it's tu good, fais ça, but if you do that, tu vas mourir. You will die. Tu vas à l'enfer. You will go to hell. Parce que Dieu t'a visité. Because God visited you. Comme il a visité Corneille. As he visited Cornelius. Mais Corneille avait obéi. But Cornelius obeyed. Il a envoyé les gens. He sent people. Ils sont partis appeler l'apôtre Pierre. To go and call for Peter. Et Pierre leur a parlé de Jésus-Christ. And Peter spoke to them of Jesus Christ. Écoutez ce que Paul leur disait. Listen Pierre, to ce que Pierre leur a dit. Listen to what Peter told them. Il parle, il parle, il parle. He speaks and speaks and speaks. Il dit au verset 39 du chapitre 10. He says in verse 39 of chapter 10. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. We are witnesses of everything that he did in the country of the Jews and in Jerusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. They killed him by hanging him on a tree. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. God raised him on the third day. Et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. And à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. And he caused him to be seen not by all men, but by those that he had chosen. Who had walked with him saw him that he had risen from the dead. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. And he commanded us to preach. Pierre était encore déjà en train de bombarder. And he commanded us to preach to the people and testify that he is the one whom God had appointed to judge the living and the dead. Cet homme jeûnait, il priait, il ne savait pas qui était le juge de la terre, le juge des morts et des vivants. This man was fasting and he did not know who was the judge. Il ne connaissait pas Jésus. He did not know Jesus. Il ne connaissait pas Jésus. He did not know Jesus. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Il veut dire à Corneille, he wants to tell chaque jour, tu es dans le jeûne. That every day you are fasting. Tu es des aumônes. You give. Tu you peux give, te pardonner. Alms, but you are not saved. Dieu a déjà donné un sauveur. God has already given si a tu crois en lui, if you believe in him, tous tes péchés seront pardonnés. All your sins will be forgiven. C'était nouveau pour Corneille. It was new for Cornelius. Il ne le savait pas. He did not know. Parce qu'à l'époque, because then, il fallait beaucoup de bonnes œuvres. Because you needed at that time many pour good être works qualifié. To be qualified. Et dans leur dispensation, c'était nécessaire.
And in their age, it was necessary. Il y a eu un temps où Dieu acceptait les bonnes œuvres. There was a time when God was accepting good works. Un temps de transition. But there was a time of transition. Un temps de réforme. A time of reform. Un temps d'initiation. A time of initiation. Il préparait l'humanité à recevoir la révélation du Fils de Dieu. That he was preparing humanity to receive the revelation of the Son of God. Jusqu'à ce que Jésus lui-même se présente devant les hommes. Until Jesus himself came to men. Il disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. He used to say, I'm the way, the truth, and the truth. Il disait, je suis le pain de vie. I'm the bread of life. Il disait, je suis la porte. He says, I'm the door. Jésus s'est révélé à l'humanité. Jesus revealed himself to humanity. Il disait, celui qui ne m'honore pas n'honore pas mon Père. He says, the one who does not honor me does not honor si my tu father. Rejettes Jésus, if you reject Jesus, oublie Dieu. Forget about God. Parce que Jésus est venu. Because Jesus came pour nous révéler le Père, to reveal to you pour the nous Father, réconcilier avec lui, to reconcile you to the Father. Tous les prophètes, all the prophets, ont rendu témoignage, bear testimony, que celui qui vient là, that the one who is coming, lui il enlève le péché, he takes away sin, il délivre les captifs, he delivers the captives. Jésus disait, and Jesus says, si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe in what I am, vous mourrez dans vos péchés, you will die in your sins. Cornelius ne connaissait pas ces paroles. Cornelius did not know that. Beaucoup dans les dénominations ne connaissent pas cette parole. Many people in denominations don't know these words. Donc les prophètes les trompent. The prophets deceive them. On les exploite, on prend leur argent, viens, on va te bénir 1 million. They exploit them and they take their money. Can we bless you 1 million francs? Dans notre génération, in our generation, avec Jésus déjà ressuscité, when Jesus has already resurrected, quelqu'un te prend l'argent pour te bénir. Somebody takes money from you, non, to bless you. Cherche quelqu'un t'appeler l'apôtre Pierre. Just look for somebody called Apostle Peter. Cherche quelqu'un t'appeler l'apôtre call Pierre. Call somebody called Apostle Peter. Dans notre génération, in our generation, avec le voile déchiré, with the veil having been torn, on te trompe encore. Let's see this. Oh, cherche un Simon Pierre. Look for Simon Peter. Cherche un Simon Pierre. Look for Simon Peter. Et tu seras sauvé. And you'll be saved. Toi et toute ta famille. You and your household. Tu vas briller comme la lumière. You pray in the light. Et tu seras heureux. And you'll be glad, you'll be happy. La Bible dit. The Bible says. Écoutez bien. Listen attentively. Quand Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tout ce qu'il écoutait. While Peter was still sur tout ce qui écoutait la parole. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. Pierre était en train de parler encore. Peter was still speaking. L'Esprit est descendu sur Cornelius. The Holy Spirit came upon them. Cornelius avait reçu cette parole. Cornelius had received this word. C'est tout ce qui lui manquait. That is what was lacking in him. Le même jour. The same day. Écoutez bien. Listen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Pierre a dit, Peter said, Pierre même son discours est même fini. Dès qu'il a vu l'Esprit sur les gens, he had not finished his message. He saw the Spirit on the people. Il a dit, mais baptisons-les en même temps. He said, but let's just baptize them. C'est ça dans le vrai baptême. That is now true baptism. En contact avec Jésus lui-même. In contact with Jesus himself. Quand tu ne sais pas que Jésus va juger les hommes. When you don't know that Jesus will judge men. C'est là où tu vois les gens vivre dans le péché, dans les dénominations, en parlant de la grâce. Ils vivent dans le... Ils ne savent pas que Jésus va juger les morts et les vivants. That's why you see people living in sin in the denominations and still talk about grace. They don't know that Jesus will judge the living and the dead. C'est pour cette raison qu'il demande que s'il y a un obstacle, soit violent, coupe pour ne pas rater ce jour-là. That is why he says if there's an obstacle, cut it off so that you don't miss this day. Il disait, he said, quand les gens vont venir, when people will come, pour revendiquer le salut, to demand salvation, au jour du jugement, on the day of judgment, il dit, je leur déclarerai, he said, I will tell them, retirez-vous de moi, get away from me, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi, you will practice iniquity, away from me. Donc reste là, tu fais l'olomier, l'olomier, un jour, so tu seras devant Jésus le juge, so stay there, one day you will be before Jesus the judge, tu n'auras plus de parole,
There will not be any word. Si tu veux donner ta vie à Jésus, if you want to give your life to Jesus, s'il te plaît, please, lève ta main. Raise up your hand. Venez ici. Vous come forth. Tous ceux qui veulent se donner à Jésus, venez. You all want to give your life to Jesus. Si tu es dehors, viens. If si tu es en haut, tu descends. If you are upstairs, come down. Même si vous êtes venu à deux, even if you come two of you, ne regarde pas l'autre. Don't look at the other person. Sauve-toi d'abord. Come first. Tu vas réfléchir après. And then you think afterwards. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Ne résiste pas. Do not resist. Ne résiste pas. Do not resist. Cornelius n'a pas résisté. Cornelius did not resist. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Cornelius n'a pas résisté. Cornelius did not resist. Cornelius n'a pas résisté. Cornelius did not resist. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Do not resist the Holy Spirit. Le Seigneur t'appelle à lui. The Lord is calling you to him. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Stand up and come. Stand up and come. Satan, tu es vaincu. Satan, you have been conquered. Nous brisons tes chaînes. We break your chains. Nous brisons le voile. We break the veil. Nous libérons les captifs. We liberate the captives. Lève-toi et viens. Stand up and come. 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 N'aie pas peur, ça c'est la maison de Dieu. Do not be afraid, this is the house of Lève-toi God. Lève-toi et marche librement. Stand and walk freely. Ne crains personne. Do not be afraid of anybody. Nous sommes des enfants de Dieu. We are all children of God. Et des créatures de Dieu. We are all creatures of God. Ne perds pas le salut à cause de la timidité. Do not lose your salvation because of dignity. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Tenons-nous debout. Let us rise. Chers amis, ces frères qui se lèvent, these brethren who are standing, vont passer quelques minutes d'intercession pour vous. Are going to spend some minutes of intercession for you. Vous êtes devant Jésus de Nazareth. You are in front of Jesus of Nazareth. Ne lui demandez rien. Don't ask him for anything. Dites-lui que vous êtes des pécheurs. Tell him that you are sinners. Qu'il vous pardonne. That he should forgive you. L'église va intercéder, ils vont intercéder. The church will intercede for you. Ils vont demander à Dieu d'agir dans vos vies. D'abord le salut. Là où il faut la délivrance, il va délivrer. They're going to ask for salvation. Là où il faut la guérison, il va guérir. Where there's healing, he will heal. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrate on yourselves. Rassurez-vous que vous avez enlevé ce qui est obstacle entre vous et Jésus-Christ. Ensure that you have taken out everything that is an obstacle between you and Jesus. Et l'église va intercéder. And the church will intercede. Je suis convaincu. I'm convinced que notre voix va monter au ciel. That your voice will go to heaven. La prière, c'est Dieu même qui a demandé de prier. It's God himself who asked us to pray. Parce qu'il exauce. Because he answers. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. It's not something extraordinary. Remplissons seulement les conditions. Let us only fulfill the conditions. Dites à Jésus, levez les mains, dites Seigneur Jésus. Lift up your hands and say Lord Jesus. Chacun dit Seigneur Jésus. Everybody say Lord Jesus. Je reconnais que j'ai péché. I acknowledge that I've sinned. Par mes paroles. By my words. Par mes pensées. By my thoughts. Par mes actions. By my actions. Pardonne-moi. Je te reçois aujourd'hui. I receive you today. Comme mon Seigneur. As my Lord. Et mon Sauveur. And my Savior. Et je demande pardon au Père Céleste. And I ask for forgiveness from the Heavenly Father. Que j'ai offensé. That I've offended. Par ma conduite. By my way of life. Continue à prier. Continue maintenant, levons pray. Nos mains et crions à Dieu. Now let's lift up our hands and cry out demandons to God. Demandons que le Seigneur intervienne. And ask that the Lord should intervene. Oh Père, agis dans la vie de ceci. Agis pour affranchir. Agis pour délivrer. Agis pour pardonner. Agis pour guérir.
agis pour restaurer. Oh Jésus de Nazareth, les voici devant ta face. Les voici devant ta face. Les voici devant ta face. Nous crions à toi, Seigneur, pour que tu interviennes, pour détruire les œuvres du diable dans leur vie, pour ôter le péché, pour briser les chaînes, pour les établir dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Qu'ils n'y retournent plus, qu'ils n'entrent plus, qu'ils n'aillent plus dans le monde, qu'ils ne retournent plus dans les choses qu'ils ont vomies au nom de Jésus-Christ. Disons Seigneur, that's the Lord. Sépare-les de leur famille. Separate them from their families. Sépare-les de la malédiction de leur famille. Separate them from the curses of their families. Sépare-les de tous les esprits de mort de leur famille. Separate them from all the spirits of death of their families. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à intercéder pour continue eux. Continue to intercede for them. Lis-nous Exode 26, verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Chapitre 27, verset 8. Chapter 27, verse 8. Exode 27, verset 8. Tu le feras creux avec des planches. Il sera fait tel qu'il t'a montré sur la montagne. Amen. Chapitre 39, verset 42 et verset 43. Chapter 39, verse 42 and 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Amen. La parole de Dieu nous révèle ici, the word of God reveals to us here, que les enfants d'Israël avaient suivi les ordres de Moïse. That the children of Israel followed the orders of Moses. Et ils avaient fait le tabernacle. And they constructed the tabernacle. Et Moïse a examiné le travail. And Moses examined the work. Parce que c'est Moïse qui était allé à la montagne regarder le modèle que Dieu voulait qu'il reproduise. Because it is Moses who went to the mountain to see the model that God wanted him to reproduce. Quand Moïse a vu le tabernacle achevé, when Moses saw the tabernacle having been completed, il n'a pas jeté un coup d'œil, il a examiné le tabernacle, il a regardé et il a apprécié et il a fait une comparaison avec ce qui était dans son esprit. He did not just look at it in passing. He actually examined it and then compared it with what he had in his spirit. Il a vu la qualité du travail. He saw the quality of the work. Il a vu la qualité de l'ouvrage. He saw the quality of the handwork. Il a regardé les finitions. He looked at the finishing. Et il a vu que c'était exactement ce que Dieu lui avait montré. And he saw that it was exactly what God had showed him. Dans une œuvre normale, in a normal work, même les membres de cette œuvre-là savent reproduire le modèle. Even the members of that work seem to reproduce the model. Si Dieu donne une œuvre à un apôtre, if God gives a work to an apostle, et lui montre la maquette, le schéma, le modèle initial, and shows him the blueprints, the initial model, il va lui donner les hommes qui peuvent vivre ce modèle-là. He will give him men who can live according to that model. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il va lui donner les hommes qui ont le désir de reproduire cette œuvre. He will give him men who have desire
to reproduce that work. La Bible appelle ça les hommes au cœur bien disposé. The Bible calls that men with well-disposed hearts. Si ça demande l'obéissance, ils ont les cœurs qui peuvent obéir. If it demands obedience, they have the hearts that can obey. Si ça demande les fonds, l'argent, ils ont des cœurs qui peuvent donner. If it needs funds, that is finances, they have the hearts that can be disposed to give. Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, j'ai donné l'intelligence à certaines personnes. I've given the knowledge, the intelligence to some people. Béchalel, les Oliab. I've given knowledge. Ils ont le pouvoir d'inventer. They have the power to invent. De créer. To create. D'enseigner. To teach. Alléluia. Hallelujah. Moïse a seulement parlé. Moses only spoke. Il n'a pas dessiné. He did not draw. Il leur a dit, quand j'étais à la montagne, he said, when I was on the mountain, j'ai vu ça. Et Dieu lui dit, and God told him, je te donne les hommes, I give you men, capables, capable men, de le faire, who are able to do it. Notre œuvre, our work, dans la nation, in the nation, et dans les autres nations, and in the other nations, aura toujours, will always have, des hommes et des femmes, men and women, qui veulent voir la gloire de Jésus, who want to see the glory of Jesus, dans notre génération, in our generation, des hommes et des femmes qui veulent former les disciples, men and women who want to build disciples, qui ne se contentent pas des allants à l'église, who are not contented with those who go to church, mais qui veulent que tout croyant devienne un disciple authentique de Jésus. But who wants that each believer should become a genuine disciple of Jesus? Quand tu désobéis, when you disobey, c'est toi qui perds. And you are the one who loses. Parce que Jésus ne manquera pas de ces hommes-là et de ces femmes-là. Because Jesus will never lack such men and such women. Un jour, one day, Élie a dit à Dieu, Elijah told God, ils ont tué tous les prophètes. They have killed all the prophets. Je suis resté moi seul. I'm the only one who is left. Et il dit, je veux mourir. And he said, I will die. Dieu lui dit, attends, Élie, tu n'es pas seul. God told him, listen, you are not alone. Il dit, je me suis réservé 7000 hommes. He said, I've kept for myself 7000 men. Qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Who have not knelt down before Baal. Quand tu désobéis, when you disobey, c'est toi qui perds. You are the one who loses. Dieu s'est réservé des milliers de personnes. God has reserved for himself thousands of qui sont prêtes à faire sa volonté. Who are ready to do his will. Et toi, tu ne sais pas. And you don't know. Et toi, tu te donnes une importance. And you give yourself some importance. Et tu te permets de désobéir. And you just allow yourself to disobey. C'est toi qui perds. You are the one who loses. C'est toi qui perds. Et you il a dit à Élie, mange donc, mange le gâteau, allez, tu vas venir. La mission est terminée. He says, eat. The mission is, eat, rise up and go. The mission is accomplished. Je vous dis une chose. I tell you something. Pour un être humain que Dieu veut utiliser, for a human being that God wants to use, il y a de l'avantage à rester vivant pour être utilisé que de se suicider, de faire un saut existentiel, comme disent les philosophes, pour te retrouver au ciel sans avoir souffert. There is more reason for you to stay and accomplish the work than to commit suicide like existentialists say, and then you go and meet in heaven. Tu ne dois pas dire Dieu prends-moi parce que tu ne veux pas voir la souffrance de Jésus. You cannot say God take me because you don't want to see the sufferings of Jesus. Paul disait que Paul used to say, si on me demandait de choisir, if I was asked to choose, partir, go. Est pour moi avantageux, mais à cause de vous, je ne pars pas maintenant. Going is advantageous for me, but because of you, I will not go now. Hallelujah. Amen. Un vrai enfant de Dieu, a true child of God, demande encore la vie pour servir. Ask for life to serve. Quand tu es malade, when you are sick, dis à Dieu, je n'ai pas fini le travail. You tell God, I've not finished il your va comprendre ton langage. He will understand your language. Ne lui dis pas que je n'ai pas encore mangé le foutu. Don't say, oh, I've not yet eaten foutu. Que tu veux qu'on prolonge tes jours pour que tu manges. So that your days will be prolonged for you to eat. Une sœur disait, a sister said, je ne veux pas que Jésus revienne maintenant. I don't want Jesus to come now. Je veux d'abord me marier et expérimenter la vie de mariage. Because I want to get married and experience the life of donc, marriage.
Les mobiles charnels veulent bloquer le dessein éternel de Dieu. Those carnal motives want to block the eternal purposes of God. Essaye de dire à Dieu. Just try to tell God. Je n'ai pas fini la tâche. I've not finished the work. Ajoute-moi même 2 jours. Just add me 2 days. Tu vas mourir, tu ressuscites. You'll die and get you, and you resurrect. Parce qu'il comprend ça. Because he understands that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'œuvre de Dieu, the work of God, selon le modèle vu à la montagne, according to the model shown on the mountain, avec les hommes au cœur disposé. It's done with men, pas même disposé, au cœur bien disposé. It's done with men with well-disposed hearts. Il dit à Moïse, he told Moses, demande au peuple les offrandes. Ask for offerings from the people. Et tu vas recevoir les offrandes de toute personne qui va donner avec un cœur bien disposé. And you will receive offerings from those who give with well-disposed hearts. Le modèle de la montagne. The model of the mountain. C'est avec les cœurs sincères. It's with sincere hearts. On ne force pas. We don't force it. Tu te lèves. You rise up. Tu prends tes biens. You take your goods. Tu viens déposer. And you come and lay them down. Ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. It's for the work of God. Ça, c'est très bon. That is very good. Si l'œuvre est faite selon le modèle de la montagne, beaucoup d'églises vont fermer. If the work is done according to the model of the mountain, many churches will close down. Vous voyez combien de temps ça nous prend pour finir notre temple? You see how much time we need to finish our temple? Parce qu'on veut les cœurs bien disposés. Because we want willing hearts. On ne crée pas de méthode de bandits pour escroquer. We don't create a method of robbers to crook people. Si je vends l'huile Dinor, if I sell Dinor après oil, un jeûne de 40 jours, ce temple va finir en une semaine. If I sell Dinor oil and promise a 40-day fast, this temple will finish in 1 week. Et comme il y a même beaucoup de personnes qui jeûnent parmi nous, and there are many poor, and since there are many poor fast amongst us, j'ai cherché les comptables doués. Look for skillful accountants. Les mouchoirs. Handkerchiefs. Les porte-clés. Key holders. Je change même la voiture, même chaque semaine une nouvelle voiture. I'll just change cars every week. I'll just have a new car. Nous sommes allés au Burkina. We went to Burkina Faso. Un prophète a donné un mouchoir à une sœur. Il y avait sa photo dessus, son effigie, et le passeport était emballé dans ce mouchoir qu'elle gardait avec soin. A prophet had given a handkerchief to a sister with his picture on it, and the sister wrapped her passport in it and kept it very carefully. Elle voulait effectuer un voyage. She wanted to travel. Mais Dieu n'était pas dedans. God was not in it. Nous sommes arrivés. When we arrived, on a détruit ces choses. We destroyed it. On a brûlé le mouchoir. And we burned the handkerchief. On a béni la sœur. And we blessed the sister. Quelque temps après, elle a eu le visa. Sometime later, she had a visa. Alléluia. Alléluia. Elle est présentement au Canada. Elle m'a envoyé un message. J'ai appris que vous arrivez ici. Elle est heureuse. She's now in Canada. Elle va nous accueillir là-bas bientôt. She's now in Canada. She sent a message. I hear that you people are coming. Brûlez toutes ces choses-là. Burn all of those things. N'adore pas deux dieux. Do not worship two gods. Ne cache pas. Dieu a vu. Do not hide it. God has seen it. Quelqu'un m'a dit qu'on lui a dit de boire l'huile, 3 litres. Someone told me that they asked him to drink oil. Tu sens même un prophète démoniaque. There you can see a demonic prophet. Dieu aime les hommes. God loves men. Et il a donné Jésus-Christ. And he gave Jesus Christ. Jésus est, il sert les gens. Jésus s'abaisse. Jesus comes down. Il a de la compassion. He has compassion. La Bible dit que quand Jésus regardait les hommes,
Il était ému de compassion. The Bible says that when Jesus looked at men, he was filled with compassion. Et il se mettait à enseigner. And then he started teaching them. Parce qu'il savait que l'ignorance est une maladie très grave. Because he knew that ignorance is a grave illness. Et il délivrait les gens de l'ignorance. And he delivered people from ignorance. Et il enseignait sur beaucoup de choses. And he taught on many things. Parce qu'il avait il avait compassion. Because he had compassion. Quand tu exploites une âme, when you exploit the soul, quelqu'un qui vient chercher le salut, someone who comes to look for salvation, tu l'exploites. You exploit the person. Tu escroques son petit argent. You exploit his little money. Tu seras jugé. You will be judged. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu. Because someone has seen. Tes mobiles. The motives. Que tu caches. Your hidden motives. Sous la prédication. The motives that you hide under the preaching of the gospel. Tu seras puni. You will be punished. Et si après avoir écouté ces choses, and if after listening to these things, quelqu'un nous fuit, someone runs away from us, parce qu'on lui demande de laisser le péché, because we are asking him to abandon sin, pour aller adorer là où il y a le repos dans le péché, to go and worship where there is rest in sin, il sera jugé. You will be judged. J'ai prêché l'évangile à une femme. I preached the gospel to a lady. Elle m'a dit, patron. She told me, pastor. J'étais encore en fonction. She told me, boss, I was still working dit, then. Je ne peux pas venir dans votre église. I cannot come to your church. Non, elle n'a pas dit, je ne peux pas dire, je ne veux pas venir dans votre église. Said, I don't want to come to your church. Parce que là où tu me vois. Because where you see me. J'ai des maisons. I have houses. Et des terrains. And homes. Mon mari n'est pas au courant. My husband does not know about it. Elle savait. She knew. Que si elle veut être vraie. That if she wants to be true, elle doit dire la vérité à son mari. She must tell the truth to her husband. Elle savait, she knew, que notre manière de croire en Jésus là, that our way of believing in Jesus, c'est vraiment la lumière. Is truly the light. Elle savait, and she knew, que si elle veut rester dans les ténèbres, that if she wanted to stay in darkness, il faut qu'elle reste loin de nous. She should stay far away from us. Elle m'a donné 1500 francs. She gave me 1500 francs. Pour que je lui achète une Bible. That I should buy a Bible for her. J'ai acheté une Bible. I bought the Bible. Elle m'a donné 1000 francs. She gave me 1000 francs. Elle dit, il faut que tu me cherches une couverture comme pour toi là. That you should get a cover for me just like yours. J'ai acheté la couverture de la Bible. I bought the Bible cover. Je lui ai donné. I gave it to her. Elle a protégé sa Bible. She protected the Bible. Elle est partie prier dans l'obscurité quelque part. She went and prayed in darkness somewhere. Elle a refusé de venir avec nous. She refused to come with us. Cette femme là. That lady. Et l'image de beaucoup de personnes. It's the image of so many people. Beaucoup se comportent comme elle. Many people behave just like her. Ils vont à l'église. They go to church. Sans lumière. Without the light. Ils sont contents. And they are happy. Alléluia. Hallelujah. Ce n'est pas le modèle de Christ. That is not the model of Christ. Avec Jésus. With Jesus. Le cœur. Doit être bon. The heart must be good. Donner en au monde ce qui sort du cœur. Gives what comes from the heart. C'est ce que Jésus enseignait. That's what Jesus taught. Mais ce temple va finir. But this temple will be finished. We complete it. Parce qu'il y a des bonnes volontés. Because there are willing people. Dans l'église. In the church. Et vous entendrez bientôt les bruits des marteaux et des pelles. I will hear very soon the noises of hammers. Sans qu'il y ait eu d'annonce spéciale que venez donner. Without a special announcement that come and give. Dieu va toucher les cœurs bien disposés. God will touch willing hearts. Certaines personnes vont donner comme elles n'avaient jamais imaginé qu'elles donneraient un jour. Some people will give as they never imagined that they will give one day. L'esprit va les utiliser. The spirit will use them. Les missionnaires seront envoyés. Missionaries will be sent. Et il y aura des fonds. And there will be funds. Pour envoyer les missionnaires. To send missionaries. L'église a eu des petits problèmes. Quand certains frères voulaient nous quitter. The church had a little problem when some brethren wanted to leave us. Après la mort du père fondateur. After the death of the founding leader. Ils voulaient poursuivre une autre vision. They wanted to follow another vision. En partant. When they were going. Ils ont dit. They said. Les dîmeurs s'en vont. The tithers are going away. Et là, ils ont dit aux missionnaires. And they told missionaries, vous allez mourir de faim. You will die of hunger. Je vous dis, I tell you the truth. Les dîmeurs sont là.
Those who give tithes are there. Are here. Et puis, les missionnaires n'ont pas faim. And since then, missionaries have not gone hungry. Nous les avons convoqués pour une session de l'école de la connaissance et du service de Dieu. We called them for a session of the school of knowing and serving God. Ils ne m'ont demandé aucun franc. And none asked for a franc. Ils se prennent en charge. They take care of themselves. Ils ont tout un budget financé par eux-mêmes. They have financial budgets of their own. Est-ce que vous avez les oreilles? Do you have ears? Quand tu fermes ta main, when you close your hands, tu perds. You lose. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fermé. Because there are some who have not closed their hands. Et Dieu les connaît. And God knows them. Ne ferme pas ta main. Don't close your hands. Il y a plusieurs types de cœurs. There are many kinds of hearts. Il y a les cœurs irrésolus. There are hearts. Des cœurs irrésolus. There are hearts that have not decided. Les cœurs qui ne sont pas fermes dans les décisions. Hearts that are not firm in their decision. Il y a les cœurs résolus. There are hearts that have decided. Il y a des frères qui te disent oui, c'est oui. When they say yes, it is yes. Il y a des cœurs partagés. There are divided hearts. Ils ont plusieurs options. They have many options. Il y a les cœurs endurcis. They are hardened hearts. Des cœurs qui se ferment à la volonté de Dieu. Hearts that close themselves to the will of God. Il y a des cœurs corrompus. They are corrupt hearts. Il y a des cœurs rebelles. They are rebellious hearts. Mais il y a les cœurs bien disposés. They are, and then there are willing hearts. Dieu n'utilise que les cœurs bien disposés. God only uses hearts that are well disposed. Ce sont les cœurs bien disposés qui portent du fruit. Only willing hearts bear fruits. Et qu'est-ce que Dieu fait? And what does God do? Pour que tu puisses changer, so that you can change. Il sonde ton cœur, c'est-à-dire il expose ton cœur à tes propres yeux. He searches your heart and he exposes your heart to your own eyes. Il crée une situation qui te permet de réagir. He creates a situation that allows you to react. Et quand tu as réagi, and when you have reacted, il ouvre ton esprit pour que tu vois comment ton cœur est. He opens your spirit to see how your heart is. Si tu es sage, if you're wise, tu te repens. You repent. Si tu continues, if you continue, tu deviens endurci. You become hardened. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a des cœurs ignorants. They are ignorant hearts. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. They don't know the will of God. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu. They don't know the laws of God. Mais Dieu n'utilise qu'un seul cœur, les cœurs bien disposés. God uses only one type of heart, the willing heart. Lis-nous Philippiens 4, verset 9. Read for us Philippians chapter 4, verse 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. C'est la même doctrine ici. It's the same doctrine here. Paul est un apôtre. He's an apostle. Dans une sorte de montagne aussi, comme Moïse était à la montagne. So it's a kind of mountain, just like Moses was on the mountain. Il a reçu les choses d'en haut. He received things from above. Et il dit à Timothée, and he tells Timothy, ce que tu as vu, what you have seen, ce que tu as appris, what you have learned, ce que tu as reçu, what you have received, pratique-le. Practice it. Ça c'est le modèle. That is the model. On ne vit pas comme en Christ, on ne vit pas comme on pense. In Christ, you don't live as you think. On vit comme on a vu, comme on a reçu, comme on a appris. We live as you have seen, as you have learned, and as you have watched. C'est pour cette raison que Jésus disait, and that is why Jesus vous said, êtes heureux. You are happy. Happy are you? Parce que vous connaissez ces choses. Because you know these things. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Just in case you put it into practice. Quand tu connais. When you know, quand tu as reçu, when you have received, quand tu as appris, when you have learned, quand tu as vu, when you have seen, tu es déjà béni. You are already blessed. Si tu ajoutes l'obéissance, if you, tu entres au ciel seul. If you add obedience to it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Voilà la notion du modèle. That is the notion of a model. Et quand tu es un dirigeant, and when you are a leader, tu t'efforces en coopérant avec le Saint-Esprit pour produire un modèle. You do all
cooperating with the Holy Spirit to produce a model, to constitute yourself into a model. Ne tolère pas un mauvais caractère. Do not tolerate a bad character. Ne tolère pas quelque chose que les gens ne peuvent pas reproduire. Do not tolerate something that people cannot reproduce. Parce que la loi, c'est de regarder et de faire ce qu'on a vu. Because the law is to look and then do what you have seen. Regarde et fais selon le modèle. Look and do according to the model. Oh, Timothée, tu es mon enfant, pouvait dire Paul. Oh, Timothée, you are my son, as Paul used to say. Fais ce que tu m'as vu faire. Do what you have seen me doing. Fais ce que je t'ai dit de faire. Do what I asked you to do. Fais ce que je t'ai enseigné. Do what I taught you. Dieu sera avec toi. God will be with you. C'est ça le modèle. That is the model. Ce qu'on a reçu à la montagne. What we received from the mountain. Ce qu'on a reçu d'en haut. What we received from above. Qu'on reproduit parmi les hommes. That we reproduce amongst men. Qui peut être observé. Which can be observed. Imité. And imitated. Fais-le. Do it. Chacun à son niveau. Everybody at his level. Doit reproduire. Must reproduce. Chacun à son niveau. Everyone at his level. Doit reproduire. Must reproduce. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the world. Vous êtes le sel de la terre. You are the salt of the earth. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, nous allons prier. We are going to pray. Que chacun demeure dans le modèle. That each one abides in the model. Le modèle de vie. Model of life. Le modèle d'enseignement. The model of teaching. Le modèle du travail. The model of work. Le modèle du service. The model of service. Le modèle d'obéissance. The model of obedience. Que personne ne se trompe. That nobody should be deceived. Dieu prend ces choses au sérieux. God takes these things seriously. Regarde. Look. Et fais selon le modèle. And do according to the model. Dis à Dieu. Tell God. Je ne suis pas seul. I'm not alone. Dis Seigneur. Say Lord. Je ne suis pas seul. I'm not alone. Tu as un peuple nombreux dans cette nation. You have a great number of people in this nation. Qui t'adore. Who worship you. Qui t'aime. Who love you. Dis Seigneur. Say Lord. Donne-moi un cœur sage. Give me a wise heart. Donne-moi un cœur fidèle. Give me a faithful heart. Parce que tu as des enfants fidèles dans cette nation. Because you have faithful children in this nation. Qui coopèrent avec le Saint-Esprit. Who cooperate with the Holy Spirit. Pour reproduire le modèle. To reproduce the model. Je veux être de leur nombre. I want to be amongst their number. Enlève de mon cœur la séduction. Take away from my heart deception. Je pensais que j'ai déjà fait assez. I thought that I've already done enough. Je n'ai encore rien fait. I've not done anything yet. Je croyais que j'ai beaucoup travaillé. I thought that I'd worked so much. Je réalise que je n'ai encore rien fait. And I just realized that I've done nothing yet. Je veux coopérer avec le Saint-Esprit. I want to cooperate with the Holy Spirit. Pour demeurer dans le modèle. To abide in the model. Pour reproduire le modèle. To reproduce the model. Dis Seigneur, je réalise que ton œuvre est planifiée depuis le ciel. So Lord, I realize that your work has been planned since from heaven. Il n'y a rien à inventer. There's nothing. Tu as tout montré. You have shown everything. Tu as tout enseigné. You have taught everything. Je n'ai encore rien fait. I've not done anything yet. Je ne te connais pas. I don't know you. Pardonne-moi l'orgueil. Forgive my pride. Et la vanité. Maintenant, continue à prier pour toi-même. Que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument de travail. Continue to pray for yourself that you be an instrument of work in the hands of God. Utile à Dieu. Useful to God. Dieu dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire où j'habiterai. Faites le tabernacle, tous ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Tout devait se faire, comme l'Éternel a ordonné à Moïse.
tout devait se faire, tout devait se faire, comme l'Éternel a ordonné à Moïse.